Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée de très belle façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du lundi 10 février. Alors, on va d'abord commencer avec notre courte lecture avant de passer aux cartes, à ce que les cartes ont à nous révéler aujourd'hui. Alors, la lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule « Ce que je poursuis me fuit ». Lorsque je poursuis quelque chose avec acharnement, sans me rendre compte de sa nature, j'ai tendance à faire fuir cette chose. Il est préférable d'être réceptif et d'attendre le bon moment plutôt que de tenter de s'imposer. Le temps est malléable. J'aurai bientôt ma chance. Donc, je ne suis pas impatient. Je prends ma décision. J'attends le bon moment. Et il vient ce bon moment. Si je sais qu'il me manque une chose ou que quelque chose me semble hors d'atteinte, j'imagine le résultat souhaité. Je prends ma décision et ensuite je passe à l'action. Alors, lecture très intéressante, hein? Ça nous parle en fait de patience, encore une fois. Je sais, beaucoup vont me dire encore la patience, mais oui, vous savez, parmi les choses que nous sommes venus apprendre ici sur Terre, la patience en fait partie. La patience, pourquoi? Parce que quand on veut quelque chose à un tel point, il y a des actions à mettre en place, il y a un travail à faire, il y a... Parce que imaginez-vous que si vous atteignez tous vos objectifs, tous vos buts du premier coup, tout de suite quand vous le désirez, qu'est-ce qu'il y aurait à espérer? Qu'est-ce qu'il y aurait à apprendre? D'accord? Alors, pensez à ça, pensez au processus. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de quelque chose? C'est tout le processus pour y arriver. Même si, à prime abord, vous pensez que le processus, c'est long, le processus, ça ne vous tente pas de le faire, vous aimeriez plutôt arriver tout de suite. C'est un réflexe humain. Par contre, quand on s'arrête, quand on se met à réfléchir, on peut comprendre en fait que le temps... C'est important parce que chaque étape de notre vie, chaque chose que l'on fait dans notre vie, nous conduit à un état en particulier, nous conduit à un but en particulier. Mais toutes ces étapes-là que l'on franchit, on apprend quelque chose, on grandit à travers ces étapes-là. Et parfois, on veut des choses dans notre vie pour lesquelles nous ne sommes pas tout à fait prêts ou prêtes. Alors, il faut accepter, en fait, d'être patient pour récolter le fruit ou les fruits que le temps nous apporte. Quand on poursuit quelque chose avec acharnement, sans connaître vraiment la nature de cette chose-là, cette chose-là a tendance à nous fuir parce qu'on n'a pas encore pris conscience de cette chose-là vraiment, de son importance, de est-ce que c'est un besoin à combler ou c'est un désir. Alors, on nous dit dans la lecture qu'il est préférable d'être réceptif. Oui, être réceptif parce que bien souvent, la vie nous envoie des messages. Tout le temps qu'on passe à être patient, on est en train de développer aussi notre intuition. On est en train de développer cette intuition à savoir c'est quand justement le bon moment. Alors, quoi que vous faites, n'essayez pas de vous imposer. Quand vous voyez qu'il semble qu'il est plus difficile... pour le moment d'atteindre un but ou un objectif, c'est qu'il y a peut-être une autre étape à franchir avant d'y arriver. Mais sachez que vous aurez bientôt votre chance. Alors ne soyez pas impatient. Prenez une décision dans votre tête, dans votre cœur. Sachez ce que vous voulez vraiment
Mais sachez aussi attendre le bon moment et avoir la foi que ça s'en vient pour vous. Alors, imaginez le résultat souhaité, ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Visualisez-le. En fait, vous voyez, ça vous fait pratiquer aussi, la patience vous fait pratiquer aussi la visualisation, la méditation. Alors, visualisez ce que vous voulez. Soyez certain ou certaine de votre décision. Et ensuite, quand le moment sera venu, quand le bon moment sera venu, vous pourrez passer à l'action et vous saurez quand ce moment arrivera. Alors, on va retourner les cartes justement pour la lecture. Qu'est-ce que les cartes avaient, elles aussi, à nous dire? Alors, c'est intéressant. Donc, on est dans la patience. Alors ici, avec le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'on veut nous dire tout simplement que de choisir nos batailles dans la vie. Ça ne sert à rien d'être colérique, ça ne sert à rien d'être impatient parce que vous n'avez pas réussi à atteindre quelque chose tout de suite. Ça ne sert à rien de faire du mal aux autres autour de vous parce que vous n'avez pas réussi encore à atteindre votre objectif. Choisissez vos batailles. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à prioriser aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait, par exemple, je donne un exemple, hein, est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent, par exemple, en ce moment même, ou bien si vous avez, par exemple, un enfant malade qui requiert vos soins, qu'est-ce qui est le plus important? Le fait d'aller faire des heures supplémentaires à l'extérieur, au travail, ou bien de passer des moments avec votre enfant pour le sécuriser, pour prendre soin de lui. Alors, votre empressement, par exemple, c'est un exemple ici seulement, hein? Votre empressement, par exemple, à faire beaucoup d'argent, à accumuler de l'argent pour vous payer des vacances, par exemple, va être en deuxième par rapport à votre enfant qui a besoin de vous en ce moment. Alors, ne soyez pas empressé ou impatient par certaines situations qui arrivent dans votre vie, mais plutôt sachez prioriser et attendre le bon moment. Ensuite, on a Tempérance qui se présente ici à nous. Alors, pour moi, Tempérance, elle vient nous dire ici, avec le fait d'être patient, j'ai effleuré un peu la question tout à l'heure, c'est que dans notre vie, on a des étapes à franchir. Quand on veut quelque chose, parfois, on doit franchir certaines étapes avant d'arriver à notre objectif ou à notre but ou à notre désir. D'accord? Alors, Tempérance vient vous dire que tant et aussi longtemps que certaines choses ne seront pas réglées en vous, que certaines choses ne seront pas guéries aussi en vous, ça sera difficile de passer à la prochaine étape. Et le fait de retenir en fait ce moment pour lequel vous êtes si impatient, l'univers retient ce moment-là pour vous, ça vous protège de vous-même en fait. Parce que quand on franchit les étapes trop rapidement, on peut atteindre certains objectifs, mais on peut aussi tout perdre. Pardon. Alors, est-ce que vous préférez prendre le temps qu'il faut et arriver au bon moment et jouir de ce que vous vouliez, ou bien vous préférez franchir les étapes rapidement, sauter des étapes, arriver à votre but et tout perdre. Alors, l'univers parfois travaille pour vous. L'univers vous dit un instant, prends ton temps. Il y a encore des étapes à franchir, il y a encore des choses à guérir, des blessures à guérir, parce que si tu ne guéris pas ces blessures-là, tant et si longtemps que tu ne guéris pas ces blessures-là, peu importe ce que tu fais dans ta vie qui va te sembler des réussites, ça va être de courte durée, d'accord? Ça ne durera pas dans le temps. Alors, prends ton temps. Donc, Tempérance, ça vous dit aussi de rester en communication avec votre moi supérieur, avec votre sagesse, avec l'univers, avec Dieu, vos anges, peu importe, hein, votre côté divin. Restez en connexion parce que ça vous amène des messages, ça
ça vous dit, ça vous guide, ces messages-là. Quand on vous, quand on vous met un hola sur quelque chose, c'est un message qu'on vous envoie, d'accord? Pas tout de suite, prends ton temps, ça va venir bientôt. Pardon. Ensuite, on a le 10 de denier, une belle carte, le 10 de denier. Mais concernant la patience, voyez-vous, sur cette carte, si vous pouvez voir la carte, elle est très belle, hein? On a des fleurs, on a une clé, on a des deniers, on voit la richesse. Alors, la patience, c'est une richesse, les amis. La patience, c'est une vertu. Et le 10 de denier, ça nous parle justement de la fin d'un cycle, ça nous parle d'un héritage, ça nous parle d'une certaine forme de richesse. Alors ici, oui, ça peut, on peut parler de richesse monétaire, mais on peut parler de richesse sous tous ses angles aussi. Alors pour moi, dans ce tirage, au niveau, par rapport à la patience, ça me dit que la patience, c'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite, c'est la clé du bonheur, c'est la clé des relations heureuses. Pardon. Alors, la patience ici, c'est votre richesse. Donc, ceux qui ont tendance à être impatients dans la vie, c'est quelque chose à travailler. Cette lecture quotidienne aujourd'hui, elle est pour vous, entre autres. Pour vous dire de travailler sur votre patience. Plus vous avancez en âge, plus normalement, peut-être, avec les expériences de la vie, on acquiert une certaine sagesse. Alors, on vous dit ici de travailler sur votre patience parce que c'est une clé importante pour la réussite, pour votre succès. Et finalement, on a la carte de la foi, le pape. Donc, encore une fois, c'est de garder foi en vous, de garder foi en Dieu ou en l'univers, ou peu importe ce en quoi vous croyez, de garder foi en votre moi supérieur, de savoir que vous allez réussir, mais d'être patient, d'accord? La foi ou la carte du pape vient ici pour vous dire que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu, et que les choses vont arriver au bon moment, mais seulement si vous gardez la foi. Quand on perd la foi en soi, en Dieu, en l'univers, peu importe, en la vie, on passe à côté de bien des choses. On rate le bateau bien souvent. Alors, gardez la foi et la patience. La foi et la patience, c'est une très belle combinaison. D'accord? Alors, voilà pour ces cartes-là. Donc, pour notre lecture d'aujourd'hui. C'est un très, très beau message aujourd'hui, je trouve. Ensuite, nous sommes lundi, donc c'est notre thème d'aujourd'hui, c'est la gratitude. Donc, j'ai pigé une carte toujours avec l'oracle Magdala, pardon, pour la gratitude aujourd'hui. Alors, quelle carte, pardon, ça ne veut pas rester debout. Alors, quelle carte a-t-on pigé concernant la gratitude? Bon, voilà, je pense que vous voyez quand même. Alors, on a pigé la belle carte, le messager. Quelle belle carte! Comment être dans la gratitude? Alors, voyez-vous, on a parlé ici de la patience, on a parlé d'être en connexion avec notre moi supérieur, notre moi divin, avec Dieu, avec l'univers, avec les anges, peu importe. La gratitude ici au niveau du messager. On doit être dans la gratitude pour les messages que l'on reçoit. Et les messages viennent de toutes parts. Ils peuvent venir de Dieu, ils peuvent venir des anges, ils peuvent venir des archanges, ils peuvent venir de l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez encore une fois. Ils peuvent venir aussi de vos amis qui vous entourent. Parfois, vous savez, on est dans une conversation et un ami ou une amie va dire quelque chose. On ne sait pas trop pourquoi il a dit ça ou elle a dit ça, mais ça nous parle au plus profond de soi. On peut ressentir un frémissement ou un petit frisson parce que cette phrase-là que cette personne-là nous a dite, ça résonne en nous.
sans nécessairement le vouloir. Alors ça, ce sont des messages que vous recevez. Ça peut être aussi à travers les heures miroirs, ça peut être aussi à travers une parole de chanson. Peu importe l'origine, hein, on vous demande ici d'être réceptif. Réceptif face aux messages que vous recevez dans la vie de toutes sortes de façons. Ouvrez vos petits capteurs, hein, réceptifs. Soyez ouverts à recevoir justement des messages sous toutes ces formes. Alors, on doit toujours être dans la gratitude pour les messages qu'on nous envoie. Quand vous recevez un message de cette façon, de cette nature, hein, où vous sentez un petit frisson ou bien une phrase qui vous parle au plus profond de vous, est-ce que vous avez tendance à remercier pour ce message-là que vous venez de recevoir? Est-ce que vous avez le réflexe au moment même où vous recevez le message de remercier? Alors, si jamais vous oubliez, quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, prenez le temps de remercier la vie, Dieu, les anges, peu importe ce qui vous entoure, vos défunts, hein, qui sont peut-être autour de vous, qui vous envoient des messages de protection ou de guidance. Alors, prenez le temps de remercier. Pour ces messages-là, c'est très important parce que ça attire davantage d'autres messages au fur et à mesure que vous évoluez dans votre vie. Et en même temps, ça permet de travailler votre intuition. D'être dans la gratitude pour les messages que vous recevez va ouvrir encore plus grand votre intuition. Va la développer davantage. Alors, j'ai pigé aussi deux cartes concernant la gratitude par rapport au messager. Et voyez-vous, encore une fois, on a la carte tempérance qui apparaît. Alors, la carte tempérance, voyez-vous, je ne sais pas si vous pouvez bien voir parce que je sais qu'il y a beaucoup de reflets, mais sur cette carte, on voit un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, hein, on voit souvent que l'arc-en-ciel part d'un point, monte vers le ciel et redescend vers la terre aussi. Alors, c'est l'alliance entre Dieu ou entre l'univers et nous. C'est cette alliance, c'est cette connexion avec notre partie divine. Alors, la gratitude envers le messager, peu importe de quelle forme il a, ça passe par la connexion que vous avez avec Dieu ou avec l'univers. C'est de rester en connexion avec le messager ou la forme de messager, peu importe, hein, mais c'est d'être dans la gratitude tout simplement de ce que vous recevez, d'être en union avec Dieu ou avec l'univers. Et la carte suivante, c'est la carte le soleil. Alors, ça nous parle, entre autres, de clarté, de clairvoyance, possiblement, hein, parce que, vous savez, quand on reçoit des messages, bien, c'est parfois de la clairvoyance aussi. On nous fait voir des choses, on nous permet de voir des choses, mais c'est surtout la transparence, la lumière qu'on vous envoie. C'est une forme de guidance pour que vous soyez en santé au niveau de votre vie. D'accord? Quand je parle de santé, je ne parle pas seulement de santé physique, mais de santé dans toutes ses formes, hein, pour que vous puissiez mieux vivre votre vie, que votre vie soit vécue dans le bonheur le plus possible. On vous envoie des messages, on est clair avec vous, mais parfois on se plaint de ne pas recevoir de messages, c'est parce que nous sommes fermés. On n'est pas en connexion avec l'univers, voyez-vous? Donc, quand vous êtes en connexion, quand vous êtes ouvert, quand vous êtes réceptif, vous êtes à même de recevoir des messages de clarté. D'accord? Alors, soyez toujours dans la gratitude pour ce que l'on vous envoie dans la vie, comme message. Alors, voilà, mes chers amis, notre
thème d'aujourd'hui sur la gratitude. J'ai pigé aussi une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour nous dire de quelle façon on peut teinter notre journée d'aujourd'hui, du lundi. Et la carte qui en est ressortie, c'est « Aujourd'hui, je mets l'intention de dresser des limites ». Alors, des limites, voyez-vous, mettre l'intention de dresser des limites, ça peut être aussi de se donner nos propres limites à nous. J'essaie de faire un parallèle, en fait, avec ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à la patience. On doit se limiter, nous aussi, parfois. On doit ériger des barrières aussi de protection, mais aussi contre les autres, contre ce qui est à l'extérieur de nous, mais aussi se protéger de soi-même par rapport à la patience. D'accord? Donc, mettez des limites. Quand vous voyez que les choses n'évoluent pas comme vous le voulez, sachez que c'est parce qu'il y a une autre étape à franchir, il y a quelque chose encore à comprendre ou à intégrer avant de passer à la prochaine étape. Mais donc, limitez-vous aussi au niveau de votre propre impatience. Mis à part ce qu'on a vu aujourd'hui, aujourd'hui, de mettre l'intention de dresser des limites, c'est aussi de se protéger contre soi-même par rapport au fait qu'on laisse souvent beaucoup de gens entrer dans notre bulle. On laisse souvent les gens, on se laisse parfois submerger aussi parce que les autres vivent. Et donc, on doit dresser des limites pour se protéger, parce qu'on doit prendre soin de soi également. C'est beau de prendre soin des autres, hein? C'est beau et c'est parfait, mais il faut savoir se protéger soi, prendre soin de soi pour être mieux à même éventuellement de prendre soin des autres. Alors, dressez vos limites, mes chers amis, pour vous protéger. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage d'aujourd'hui, notre lecture quotidienne. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là, bien sûr. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci de votre écoute. Au revoir.